Sainte Marie Dominique, par ton intériorité, conduis-nous à la rencontre du Christ, femme de prière, femme de joie. Sainte Marie Dominique, la première de notre institut, guide nos pas de Dieu avec tous les jeunes. Sainte Marie Dominique, la première de notre institut, guide nos pas de Dieu avec tous les jeunes. L'amour du travail. Une recommandation que nous trouvons dans les lettres de Sainte Marie Dominique Mazzarelle est l'invitation à aimer le travail et à travailler avec une intention droite. Le travail est pour elle le père des vertus. En travaillant, les idées folles s'en vont et on est toujours joyeuse. Extrait de la lettre 25. Marie-Dominique, jeune fille dont les vignes travaillaient plus que les hommes. Elle aimait le travail. Même après la maladie du typhus, elle a pris la couture pour qu'à travers ce moyen, elle puisse annoncer aux jeunes filles l'amour de Dieu. Dans ses lettres, on perçoit une salésienne très occupée. Parfois, elle l'exprime qu'elle en a trop. Quelquefois, elle s'excuse de ne pas avoir assez de temps pour répondre aux lettres, parce que le travail est intense. Elle invite également à la tempérance dans le travail. Elle exhorte Sœur Angelina en ces termes. Tout en vous recommandant de travailler, je vous recommande aussi d'avoir soin de votre santé. Et je recommande à toutes de travailler sans aucune ambition, sinon celle de plaire à Jésus. Extrait de la lettre 22. Pour Sainte Marie Dominique, il y a d'autres critères pour identifier un travail riche de bénédictions. La joie et la générosité. Si je veux m'affirmer dans le travail, je serai vite épuisée. Si au contraire le travail est stimulé par la source intérieure, je pourrai travailler beaucoup. La source de mes énergies ne serait pas seulement la propre volonté, mais la force que Dieu me communique. Dans l'expérience spirituelle de Sainte Marie Dominique Mazzarello, c'est le dialogue constant avec Jésus, l'amour pour lui. L'intention de plaire à Jésus est source de joie et de paix intérieure. La joie. Pour demeurer joyeuse, il faut aller de l'avant avec simplicité. Ne pas chercher de satisfaction, ni dans les créatures, ni dans les choses de ce monde. Extrait de la lettre 21. La recherche de soi dans les gratifications, dans la reconnaissance des autres, porte à la déception et à la tristesse. Mais la pensée et l'intention pour lui est source de sérénité. Pour Sainte Marie Dominique Mazzarelle, la joie est le signe d'un cœur qui aime Dieu. La joie, la sérénité sont l'expression de l'amour. Celui qui aime vit dans la joie. Aujourd'hui, Sainte Marie Dominique nous invite à aimer le travail bien fait, à travailler avec une droite intention. La pensée d'offrir à Jésus ses énergies dans le don gratuit de soi. Malheureusement,
Dans la société actuelle, beaucoup de jeunes n'ont pas le travail qui leur permettrait de construire l'avenir. C'est une réalité triste. C'est pourquoi les filles de Marie Auxiliatrice œuvrent dans une formation de qualité dans les centres professionnels et pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le travail donne dignité à la personne humaine. On peut comprendre par là pourquoi l'Église a toujours insisté pour que dans l'organisation du travail soit préservé et même recherché ce qui favorise la créativité et la responsabilité de celui qui l'exécute. C'est cela, humaniser le travail. Saint Jean-Paul II recommande que celui qui travaille, même dans la subordination, à un employeur, puisse travailler comme à son propre compte, en y apportant son initiative et sa responsabilité. Sachant quoi faire.